nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on fait un vlog. Voilà, juste à dimanche, juste à demain soir. Voilà, là, on va commencer le live. Il est 18h48. Vous voyez, demain à 18h48, le vlog sera fini. Voilà, ce sera un vlog 24h. Voilà, bon, j'ai pas que la petite caméra là. Celui-ci, une petite caméra là, petit GoPro. Voilà, je vais filmer un peu dehors. Voilà, c'est mon frère et ma soeur qui sont en train de jouer à un jeu. Voilà. Bon les amis, on se retrouve, voilà, j'ai été faire du foot, voilà, puis j'ai été faire un petit truc que vous avez vu sur la petite caméra là, voilà, et en plus il fait bon, c'est ça le problème, il fait bon, ça c'est bien, voilà, bah là, je vais regarder un peu la télé, puis on se retrouve, à tout à l'heure. Donc comme ça, donc désolé, grave si je m'exprime mal et tout, j'ai préparé déjà mes affaires, là il y a ma valise, j'ai récupéré mon sac, tous mes affaires elles sont dedans. Et en fait, tout simplement, je vais partir, je vais retourner sur Paris. Puisque là, comme vous le savez, on est dans le sud. Je vais récupérer des affaires qui me restent à la villa. L'autre villa, vous savez, à Paris, où il y avait tout le monde, toute la team. Je sais pas si vous allez les voir. Ils sont tous en train de jouer, ils savent pas ce que je suis en train de tourner, mais je vais partir. Je vais essayer de partir d'une manière où ils vont pas me voir. Donc je sais pas si ce sera filmé, mais en tout cas, je vais vous filmer un peu comment ça va se passer. Tourner une vidéo, c'était pour rigoler. Il m'a fait un prank, il m'a jeté toutes mes affaires. Dans la piscine, c'était pour rigoler aussi, mais c'est pas pareil qu'avant. On sent qu'il y a quand même une tension, tu vois. Et moi, j'aime pas trop ressentir ça. Donc, je vais vous en parler plus de toute cette histoire durant cette vidéo. Parce que justement, vous allez me voir quand je serai à Paris et tout. Là, je vais dormir à l'hôtel, du coup. Et je vais réfléchir. Et j'appellerai sûrement l'idée dans cette vidéo pour en parler. Parce qu'ils vont demander, ouais, chez Lokic, c'est normal. Vous inquiétez pas, moi, ça va bien. Tu connais, ça sort des petites têtes comme ça en mode deg. Mais c'est normal, j'ai pas trop envie de quitter la villa. Parce que voilà, je m'amuse bien. Les vidéos sont de retour et tout. Vous connaissez le délire. On a toujours traîné ensemble depuis tout petit, nous tous ici. Donc c'est normal, ça me fait chier déjà que j'étais pas là pendant un an à cause de l'histoire de moi et Saphir. Donc on va essayer d'arranger ça. Et n'hésitez pas à me suivre et de lâcher un like si vous voulez que je reste à la Jungle House. Je vais vous péter la barre de like. Jusqu'à que la barre de like, elle en peut plus, frère. Mon train, il est à 15h. Je vais essayer de partir en scred. Donc il faut que j'aille partout plus vite parce que les sont tous en train de jouer devant. C'est un délire. Là, je suis arrivé à la gare. Je suis à la gare d'Avignon précisément. Ils ont pas capté que je suis parti. Pour moi, je pense qu'ils se sont dit, ouais, il est parti faire un tour. Ouais, j'entends. Je vais appeler Lydé dès que j'arrive à mon hôtel. Je vais lui expliquer un peu comment ça se passe parce que justement, on n'en a pas parlé de cette histoire et tout. C'est moi qui ai décidé de partir, prendre un peu d'air vite fait, de bien réfléchir comment ça peut se passer avec Saphir et tout. Comme je vous ai dit en début de vidéo, moi j'ai mon idée de comment ça peut se passer. Donc là, je vais faire quelques activités sur Paris histoire de prendre l'air. Je vous mens pas, ça fait 4-5 jours j'étais à la villa et avec Saphir, tu vois, c'est chaud. Un regard, ça peut partir en live et tout. Pourtant, on est des amis d'enfance, les gars. Il n'y a que dans certaines vidéos où vous voyez qu'on s'entend vite fait, tu vois, genre 10-15 secondes, on est là, on rigole ensemble, mais il n'y a pas plus. Donc voilà, les gars, on se rejoint sur Paris. Je vais sourire un peu dans cette vidéo parce que voilà, c'est important. Tu connais Nzy Kitchen, toujours il rigole. Ok, l'équipe, je suis dans le train. J'avais pas encore mis de story sur Instagram. Donc là je vais en mettre une, donc du coup ils vont voir que je vais prendre le train parce que je voulais montrer à toute ma communauté que je voulais partir et tout sans trop en dire, tu vois. Donc c'est pour ça que je vous dis de me suivre quand même sur Instagram pour voir que ça parle tout le monde tranquillement. Voilà. Après le but de cette story c'est pas de les faire réagir, c'est juste que j'ai envie qu'ils m'appellent. Là, je viens juste d'arriver à l'hôtel, je vais appeler un peu l'idéal, toute la villa parce que là les choses sont avancées, tu vois. Attendez, j'ouvre la porte. J'ai mis la story que je vous ai dit, que comme quoi j'allais prendre le train et tout. Et du coup, justement, l'idéal, il a parlé et tout, je vous mets sa story. Il a dit en gros que, wesh, il est au kitsch, c'est pas normal qu'il s'est barré et tout. Je l'ai pas appelé, je l'ai pas envoyé de message encore, rien. Je sais que ça se fait pas, les gars, désolé si toute la villa vous voyez cette vidéo. En gros, je voulais pas forcément parler, parce que je voulais pas parler de l'histoire entre moi et Saphir. Parce que dans cette histoire, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en vrai, c'est moi et lui. C'est pas que lui. Je mets pas toute la faute sur lui et il mettra pas toute la faute sur moi, toi. Saphir, c'est un bon mec, en vrai. C'est un mec ultra gentil, c'est un mec qui se vénère vite. Un mec, voilà. De toute façon, vous connaissez, vous regardez un peu les vidéos. Et sans lui,
En vrai, je pense que ça serait grave différent dans la villa, je pense. Ça, c'est mon simple avis. On va appeler l'idéal et après, je vais aller récupérer mes affaires dans l'autre villa. Et voilà, tout ce qui va se passer. Allez, réponds pas. Ah si, réponds. Ouais, l'idée, ça va? Non, là, je suis arrivé à Paris, parce que je suis parti à Paris, gros. Pourquoi t'es parti? Ben, c'était pour récupérer mes affaires dans l'autre villa. Tu reviens? Ben, j'aurais bien aimé, mais tu vois, avec sa fille et tout, c'est compliqué. Donc, du coup, je me suis dit, je vais respirer un peu, tranquille, et je vais réfléchir, tu vois. Je sais que toute la villa, il n'y a rien et tout. Genre, vous êtes là, tranquille. Mais c'est une histoire entre moi et sa fille, tu vois. Et le délire, c'est que tu vois, on a du mal à s'entendre des fois dans la journée et tout. Et du coup, j'ai décidé de prendre un peu d'air, tu vois. T'as rien à dire, mais je te fous pas, je vais t'arriver. Ouais, je sais, mais je voulais prendre d'air parce que. Ouais, mais Saphir, c'est. Ouais, je sais, je t'ai pas prévenu, mais Saphir, c'est mon pote d'enfance, tu vois. Ça me fait chier que ça se passe comme ça entre moi et lui. Et j'en arrive pas à discuter. Des fois, c'est moi qui veux discuter avec lui, des fois, c'est lui. Et en fait, en vrai, je trouve qu'il y a rien, mais bon, je comprends pas pourquoi, tu vois. Eh ben, je vais envoyer un courrier pour dire ce que tu veux. C'est un bon. Vous avez vu, l'idée, c'est un bon, les gars, la vie. Ben, en tout cas, merci. Merci, même les stories et tout sur Instagram, j'ai vu. Merci, t'es un bon, ça fait plaisir. Je vais revenir. Ouais, je vais réfléchir. Je vais réfléchir. Là, je vais passer vite fait à la villa à Paris. Et je vais récupérer des affaires. Et on voit comment ça se passe dans les prochaines semaines. Et c'est pour ça que j'ai dit à toute la commu, parce que là je fais une vidéo justement, et c'est pour ça que j'ai dit à toute la commu de nous suivre bien sur Instagram, pour bien suivre tout comment ça va se passer, quoi. Donc voilà. En tout cas, fais un bisou à toute la villa. Dis-leur que voilà, j'ai pas trop. Ouais, Banab. Ah, vous êtes bien, vous, hein, toujours, hein. Ah, ça bug. Putain. Vous êtes toujours bien, vous. Hein? Hein, les restos, tout ça, moi, je vais reprendre du poids si je reviens. Bon, en tout cas, profitez bien et je vous appellerai demain ou quoi. Je vais faire quelques trucs et je vous appellerai demain. Vas-y, mon gars. Bisous. Merci. Merci, la team. Allez, ciao. L'idéal, toute la villa, ils l'ont bien pris. Bon, ça me fait chier de faire tout ça, mais voilà, je pense qu'on va discuter avec Saphir. Sachez-le que même... Ça fait plaisir de voir des gens un petit peu contents de se revoir les uns et les autres, personnellement. Bref, la famille, on est là pour une vidéo assez importante. J'en profite parce que, comme vous le savez, dans un jour à peu près, un jour et demi, je serai dans le sud. Et des vidéos comme celle-ci, où on se pose et on parle à cœur ouvert, ça sera plus trop possible parce qu'il sera l'heure de s'éclater, de s'amuser, de faire des défis, de faire des pranks et de rigoler avec des amis et de ne pas se prendre la tête. Je vais pas vous demander dans cette vidéo des likes. Tout ce que je pourrais vous demander, c'est vraiment juste de l'écouter. D'accord? J'ai lu des commentaires sur la vidéo de hier où j'avais annoncé que j'allais rejoindre, entre guillemets, des amis dans le sud. Beaucoup d'entre vous ont compris que c'était l'idéal. Et il y avait 3 commentaires qui disaient « Ouais, mais tonton, c'est pas mal l'idéal, mais nous, on préfère l'ancienne équipe, l'ancienne team GMT. » Et il y en avait un qui avait à peu près 50 ou 60 gemmes. Donc 50 à 60 personnes qui étaient d'accord avec lui. Je vais faire une vidéo globale où je vais tous vous répondre. Le but, c'est pas de rentrer en clash avec Oussama, Zantar, Pedro ou l'une des personnes qui m'entouraient à une époque. Fut une époque même, ça va parler de Oscar, bref. Le but, ça va pas être d'en attraper un et d'utiliser comme punching ball pour taper dessus. De manière où on se retrouve, voilà, j'ai fini de manger et tout, voilà. Bah, je sais pas si vous voyez, il est presque stormant, je pense. Voilà. Et bah, vraiment. Le vendredi 11 et tout. Et on est Storlo. Il est Storlo, les abonnés. Et voilà. Bon, là, je vais aller coucher. C'est là vraiment les abonnés. Mais peut-être pas y croire, il fait noir. On se retrouve, voilà, je viens de me réveiller un peu, voilà. Puis là, on va aller déjeuner, puis voilà, on se retrouve à tout à l'heure. Bah, quand j'aurai fini de déjeuner,
Et puis qu'on va faire des petits trucs avec la petite GoPro. Voilà. On se retrouve, voilà. Bah là, je vais aller me laver. Puis on se retrouve à tout à l'heure. Voilà. Et puis le vlog, il va se finir demain, aujourd'hui à 18h48. Voilà. Les abonnés, voilà. J'ai pris ça et après je vais chercher des autres trucs. Voilà. Et on se retrouve bah, quand j'aurai fini de me laver. On se retrouve, voilà. Là, je vais filmer un peu avec la GoPro et puis je vais aller un peu dehors, dans le couloir, voilà. Voilà. Et j'espère que, je pense que peut-être vous l'avez attendu hier avec ça. Ce serait super que vous attendiez avec le truc, voilà. Ça va être avec le boîtier, avec le truc qui protège pour les mettre dans l'eau. Et ben, en fait, les abonnés, c'est pour faire des en mode de mettre dans l'eau bien sûr, mais en fait s'il a le boîtier en fait ben on n'attend pas de son quand on fait une vidéo, alors je vais faire filmer comme ça, c'est peut-être on attend le son, je sais pas, voilà. Et voilà, bon, j'espère que le vlog va vous plaire, voilà les abonnés. Allez sur mon Instagram by-du-bas Petlo, voilà, c'est vraiment, il y a pas de live, voilà. Oui, sur mon compte il y avait beaucoup de live, mais j'ai arrêté un peu les lives. Je vais peut-être en continuer une prochaine fois, voilà. Mais voilà, voilà. Hier, comme vous avez vu, j'ai vu Is the Kitchen. Après, j'ai vu Gimmis 13, donc voilà. Il était pas très très content, mais c'est pas ma vidéo, voilà. Bon les abonnés, on se retrouve, voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Voilà, il est 18h. Voilà. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao. Surtout vous mettez un petit abonnement, un petit partage. Et ciao. Et allez, voilà, très bientôt. Un qui va sortir. C'est un truc de ouf. Allez, bisous.